Oui, bah déjà, grosse satisfaction d'être au 7e tour d'une Coupe de France. C'était un objectif pour le club, mais c'est aussi un objectif pour le joueur. On a bataillé sur des matchs qui semblaient à notre portée face à des équipes de District 2, District 1. Il y a des terrains qui sont parfois pas faciles. Donc on a bataillé, je pense au premier tour à Audalier, où on marque à la dernière seconde du match, où on gagne 2-1. Et c'est peut-être ce qui nous a mis dans vraiment cette Coupe de France. Ensuite, on joue des matchs face à des équipes encore inférieures à nous, de R3 et d'autres districts. Donc, non, c'est toujours bien d'arriver au 7e tour. Et puis, là, jouer une nationale, ben, c'est la magie de la Coupe de France, comme on dit. Donc, on va tout faire pour que ça se passe du mieux possible. En tout cas, ça sera une belle fête. Oui, bien évidemment, c'est historique pour le club. C'est la première fois qu'une équipe arrive au 7e tour. Quand on sait qu'on est dans cette équipe qui a marqué le club, on peut que être satisfait. Ça forge un groupe. On sait que là, on est sur deux défaites en championnat. Donc forcément, ça soude un petit peu d'avoir des matchs où on bataille et on gagne au dernier moment, comme je le disais. Donc forcément, c'est une fierté pour le groupe, une fierté pour le club, pour les dirigeants, pour les bénévoles. Ça va être une belle fête à Roanne au stade Malval. Donc, on peut que être satisfait du groupe, mais aussi des prestations qu'on a fait en Coupe de France. En toute honnêteté, on ne pouvait pas rêver mieux. Le Nîmes Olympique, club de national, chez nous, au stade Malval à Roanne, où on a l'habitude de jouer en championnat, on savait qu'un club de Ligue 2, c'était pas possible de recevoir chez nous. Donc là, un club de national, c'est parfait, on va dire. D'autant plus qu'on sait que notre coach Johan Charpenais est passé par Nîmes en tant que joueur dans un club professionnel. Donc pour lui, c'était l'idéal aussi. On sait que c'est une très grande fête pour le club, mais aussi pour nous. Jouer devant un bon public, devant nos familles, nos proches. Donc c'est un grand événement pour tout le monde. Chez nous, dans notre stade, en plus, que dire de mieux? On reçoit. Donc, c'est tirage parfait. Oui, évidemment, c'est compliqué d'allier championnat et Coupe de France, on le sait tous. On est dans l'euphorie de la magie de ces Coupes de France, mais faut pas oublier la priorité du club qui a été fixée par le staff et les dirigeants au début de saison, à savoir la montée en R1 en championnat. Pour l'instant, c'est plus difficile pour nous de se déplacer en championnat. On est sur deux défaites. Donc forcément, faut vite se ressaisir. Oui, la Coupe de France, c'est un petit bonus pour le club et pour nous. Mais il faut pas oublier ce que sont nos priorités, à savoir la montée, comme je le disais. Donc faut pas penser aux cartons jaunes, faut pas penser aux blessures. Faut se donner à fond sur tous les matchs. Donc on verra par la suite comment ça évolue, mais on sait que notre priorité c'est la montée, donc faut se donner à fond sur les matchs de championnat et plus penser à la Coupe de France. C'est historique pour le club, donc il y a un engouement particulier derrière cette magie de Coupe de France. Tout doit être mis dans l'ordre, que ce soit pour la sécurité, pour les supporters, pour les dirigeants, les bénévoles, etc. Donc c'est une organisation assez particulière. On s'attend à avoir beaucoup de monde. Donc c'est une grande fête. Déjà, c'est une grande fête pour le club, mais aussi pour la ville de Roanne, pour l'agglomération roannaise, tous les clubs aux alentours qui sont très contents de nous voir à ce niveau-là. Donc forcément, il va falloir gérer du mieux possible ces rencontres que l'on n'a pas l'habitude de vivre. Donc forcément, l'engouement est particulier. Mais il faut s'attendre à avoir un bon combat, donc c'est une belle Je pense fête. qu'il faut préparer ce match comme on a l'habitude de le faire. On s'entraîne le mardi, le mercredi, le vendredi, et on a notre petite routine habituelle, que ce soit individuellement ou collectivement. Donc je pense que si on veut être à la hauteur, faut pas tout modifier, faut pas tout changer, garder ce qu'on fait habituellement. Après oui, c'est un match différent des autres, assez particulier. Donc, faudra jouer en bloc, faudra jouer les coups à fond et rentrer directement dans le match, parce que face à une équipe comme le Nîmes Olympique, si on met un petit peu de temps à rentrer dans le tempo du match, on va vite se faire bousculer, donc ça peut être vite très compliqué pour nous. Donc, je pense qu'il faut l'aborder
assez sereinement, même si il y a toujours cette petite pression c'est une bonne pression, mais voilà, faut rien modifier. Faut tout garder ce qu'on fait habituellement et jouer comme on sait le faire.